Chers amis, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Il y a déjà une personne qui aime, c'est bon signe. Bonjour au premier spectateur, c'est un live qui n'était pas prévu. Un petit test technique que je voulais faire. Ah bah écoutez, vous êtes déjà 7. Bonjour trafic, bonjour à tous. On va parler d'aviation, ça vous dit? Parce qu'en ce moment, il se passe plein de choses. Et on a beaucoup de questions sur l'aviation et on a beaucoup de gens qui disent des bêtises sur la sécurité aérienne et il y a des gens qui disent des mensonges sur la pollution dans l'aviation. Et donc on va remettre un petit peu les pendules à l'heure sur différents sujets. Ça fait plaisir que vous soyez si nombreux si rapidement. Le premier point que je voulais aborder, déjà vous avez vu, j'ai du nouveau matériel et ça permet quand même d'être face à vous, c'est quand même chouette. C'était tout ce qui est la réalité des émissions de CO2 du secteur aérien. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de calculer, c'est un petit peu difficile du coup à comprendre. On a des émissions de CO2 qui sont émises directement par les avions, ça fait 915 millions de tonnes par an. À ça, on ajoute la production du carburant, son transfert jusqu'à l'aéroport, ça rajoute à peu près 8%. Et ensuite, on rajoute tout ce qui est autour des infrastructures aéroportuaires et de la construction de l'avion, ça c'est 2%. Donc au total, quand on inclut vraiment tout, on est à 1 milliard de tonnes de CO2 émises chaque année ou d'équivalent CO2 émises chaque année. Ça, ramené juste au CO2 émis mondial, on est autour de 2,2-2,4%. Et ramené à tous les gaz à effet de serre, on est seulement à 2%. Donc l'aviation, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est entre 2 et 3%. En réalité, le CO2 ramené aux gaz à effet de serre, on est seulement à 2%. Ramené juste au CO2, c'est un monde un petit peu plus élevé. Qu'est-ce qu'il a le son? Il y a des gens qui se plaignent du son. Le son craque. Le son est très mauvais. Qu'est-ce que vous reprochez à mon son? Je vous ai acheté un micro exprès pour vous, là. Il vous plaît pas? Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Qu'est-ce que vous reprochez au son? Tac, je vais sur le logiciel audio. C'est pas mieux comme ça? Il y a Jean-Christophe qui me dit que ça envoie un message en morse. C'est pas bon signe, ça. Vous permettez, je vais changer de micro. Hop, on va en tester un autre, je reviens tout de suite. Ah, c'est mieux. Ok, donc c'est bien, je l'ai branché, j'ai débranché, c'est ce qu'il fallait faire. Cool alors, s'ils sont meilleurs maintenant, c'est bien. Donc je disais simplement, faites la grosse distinction entre... On a des émissions de CO2 pour le secteur, et effectivement, si on change le dénominateur, on est à 2,4 ou on est à 2%. Et à côté de ça, on a des effets non CO2 qui font que l'aviation, le maximum, dans le pire des cas, c'est 3,5% du réchauffement climatique d'origine humaine. Donc on est sur un bilan global qui est très très loin de ce qui est annoncé par Greenpeace, par le Shift, etc. 6-7%, c'est des chiffres qui sont totalement faux. Donc gardez vraiment ça à l'esprit à chaque fois qu'on vous parle d'aviation et de pollution dans l'aviation. On est à 2% des émissions de CO2 par rapport aux gaz à effet de serre mondiaux, on est à 3,5% du réchauffement climatique qui est lié à l'aviation, alors que de l'autre côté, on transporte 30% du transport de marchandises mondiales en valeur, on transporte 4,5 milliards de personnes, et on produit 4,1% du PIB, donc 3,5% de pollution pour 4,1% de PIB, forcément le ratio il est meilleur que dans plein d'autres secteurs, et typiquement, vous le savez certainement parce qu'on le dit partout, mais ce qu'on est en train de faire, par exemple, ça pollue. Netflix, YouTube et Facebook réunis, ils émettent plus de CO2 que toute l'aviation mondiale. Donc on est sur des rapports qui sont très très importants, sachant évidemment que l'aviation s'est engagée sur une amélioration importante. Le but, c'est de diviser par 3 les émissions de CO2 nettes du secteur d'ici 2050, malgré un triplement du trafic qui est attendu à cette période-là. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut diviser par 9 les émissions de CO2 pour transporter une personne entre maintenant et dans les 30 prochaines années. Donc c'est des ambitions qui sont très importantes. Il y a plein de leviers pour réussir à faire tout ça. Il y a l'optimisation des opérations aériennes. Je vois qu'il y a des pilotes de ligne dans la salle, donc vous pourrez poser la question également à Jean-Christophe. Parce que quand on améliore, par exemple, j'ai écrit un article dans Les Échos qui a été publié hier,
Le trafic aérien est en baisse aujourd'hui, donc on peut se permettre de faire des exercices, des tentatives qui normalement devaient être réalisées seulement en 2035, par exemple, sur l'Union européenne. Les avions ne font pas des lignes droites parce qu'on a plein de monde, parce que c'est difficile de s'organiser, mais là, comme il y a moins de monde, on peut faire des lignes droites. Et donc le temps de trajet est plus court. Mais un deuxième élément, c'est que vous savez que les avions, normalement, montent à une altitude qui est optimale pour eux. Et cette altitude, ils y montent d'une manière qui est... En fait, ils font des paliers. Logiquement, ils devraient avoir une montée continue. Et la montée, elle n'est pas aussi continue que ce qu'il faudrait. Malheureusement, ils font des paliers qui font qu'ils ne sont pas optimaux. Le fait de pouvoir optimiser le trafic aérien sur l'Atlantique Nord, c'est 14% de réduction des émissions de CO2. 14%, là, tout de suite, avec les avions actuels. Donc on a au moins 20-25% d'amélioration de l'efficacité énergétique de la flotte mondiale juste par l'optimisation des opérations. On a les infrastructures au sol, le fait de pouvoir utiliser l'électricité qui vient du sol, le fait de pouvoir avoir du roulage électrique, 3-5%. Le fait d'optimiser le ciel, le fait d'utiliser des carburants alternatifs, on espère avoir 5% de carburants alternatifs à la fin de la décennie en Europe, après ça va s'accélérer, mais de là, le carburant alternatif, c'est 80% de réduction des émissions de CO2 sur le cycle de vie du carburant. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit, faut pas croire qu'on reste statique jusqu'en 2035. L'aviation, elle s'améliore, l'aviation, elle fait des efforts tous les jours, et on est sur le seul secteur qui se soit engagé à réduire ses émissions de CO2 dans des proportions aussi importantes. Donc soyez convaincus que l'aviation va réussir son challenge. Malgré le triplement du trafic, on va diviser par 3 les émissions nettes du secteur. Il y a des compagnies qui sont exemplaires dans ce domaine-là, vous regardez Air France par exemple. Air France, c'est plus 30% de trafic et moins 5% d'émissions de CO2. Donc ceux qui vous disent il y a des effets rebonds quand on s'améliore, en fait ça pollue plus, non. Au-delà d'un certain niveau, quand on fait des améliorations qui sont franches, rapides, durables, avec des ruptures technologiques telles que celles qu'on les attend, avec l'aviation électrique et l'aviation à hydrogène, on a une certitude qu'on va faire mieux et qu'on va réduire les émissions de CO2 du secteur, voire même permettre de réduire les émissions de CO2 des autres secteurs. Quand on fera de la livraison par drone électrique, le marché potentiel, c'est entre 24 et 40 milliards de dollars en 2024 pour la livraison par drone. Quand c'est Amazon qui va vous livrer votre produit par un drone électrique, bah vous remplacez des camionnettes pourries, vous remplacez des mobilettes, Deliveroo, etc. Là, on va réduire les émissions de CO2 des autres secteurs grâce à l'aviation. Donc on est vraiment sur un secteur qui s'optimise et qui permet une amélioration des autres secteurs. Vous avez des études également sur les commuteurs électriques, qui sont des avions de moins de 1000 km et qui permettent d'éviter d'avoir des voitures et des camions sur les autoroutes. Donc beaucoup d'améliorations également de ce côté-là. Du coup, j'ai commencé à parler avant d'avoir les premières questions, parce que vous avez beaucoup commenté mes dernières vidéos. Trafic me pose des questions sur Boeing 737 MAX. Effectivement, le 737 MAX aujourd'hui, vous le savez, il va recommencer à voler en Europe. J'ai une position qui a toujours été très claire. Il y a une erreur monumentale de la part de Boeing d'avoir voulu faire un système dans lequel on ne reposait que sur une seule sonde, ce qui n'est pas acceptable, mais c'était un système qui était censé donner une information au pilote de poids sur le manche. Si ce système s'emballait, dans le pire des cas, les ingénieurs de Boeing avaient estimé que ça devait produire une panne qui était gérable, qui s'appelle un trim runaway, que tous les pilotes savent gérer sur tous les Boeing depuis les années 70. Le problème, c'est que dans ce cas-là, les pilotes, je prends l'exemple de Lion Air, qui se sont trouvés face à ce système qui commence à s'emballer, qui commence à dérouler le compensateur, dans le premier vol où c'est arrivé, ils savaient gérer la situation, ils ont pu couper ce trim runaway, ils ont su le gérer. Le problème, c'est que la maintenance étant mal faite, les techniciens ont eu la mauvaise idée de vouloir juste effacer les alarmes, et donc les pilotes suivants n'étaient pas au courant. Il n'y a eu aucune information de la gestion de la panne qui a été faite dans le logbook, donc l'avion est reparti le lendemain, et on est tombé sur des pilotes qui ne savaient pas gérer cette situation. Donc gros problème de maintenance, gros problème de la part de Boeing qui a fourni ce système qui était pourri, et gros problème de la part des pilotes qui n'ont pas su gérer cette situation, qui encore une fois aurait dû être gérable, et elle était gérable la veille, donc il n'y avait pas de raison. Aujourd'hui, on a fait évoluer le système, Boeing a fait des efforts pour faire évoluer ce système. Le 737 MAX tel qu'il est configuré maintenant, ce système, qui a pour but de donner un poids réaliste dans le manche pour les pilotes, ne permet plus de s'emballer, c'est-à-dire qu'il ne va pas tourner comme il était le cas jusqu'à maintenant. Quand le pilote
tire un peu trop sur son pan, sur son manche pendant la montée, qu'il a fort degré d'inclinaison, s'il rentre les volets, donc c'est vraiment des situations, on n'est même pas censé se trouver dans cette situation-là, il est possible que le manche soit trop léger, donc le MCAS se déclenche pour donner un poids dans le manche qui est réaliste. Moi j'ai testé le simulateur de vol de Max à Seattle chez Boeing, avec le chef pilote d'essai à côté de moi, c'était génial. Mais du coup on voit bien, le système s'emballe, on le voit, maintenant il ne peut plus s'emballer de manière indéfinie, il s'active autant que nécessaire, mais il ne s'active que si les sondes, parce que maintenant on utilise deux sondes, sont d'accord entre elles, et un nombre de fois qui est 1, 2, 3 fois, mais ça ne peut pas continuer jusqu'à avoir une incidence sur la trajectoire de l'avion. Donc ça c'est vraiment important. Tout le monde est sûr que le 737 MAX maintenant sera fiable. Il y avait des doutes sur évidemment la capacité des pilotes à gérer dans la situation précédente. On l'a vu, ça a provoqué deux crashs. Mais avec cette nouvelle version, il n'y a plus aucun doute. Quel que soit le pilote auquel on en parle, ils ont la certitude maintenant que cette évolution, elle est suffisante pour assurer un avion qui va être totalement fiable. Dans quelques temps, on aura le retour du MAX en Europe, il y aura l'évolution logicielle à faire, la validation de la sortie de l'avion, parce qu'ils ont tous été arrêtés pendant plusieurs mois. On a évidemment les pilotes qui doivent être formés, qui doivent faire du simulateur de vol, et puis petit à petit ça va revoler en remplacement du Boeing 737 classique NG. Donc vous avez vu que Ryanair a encore commandé 75 nouveaux Boeing 737 MAX il y a quelques semaines, tout en ouvrant une base à Beauvais. Voilà, donc c'est aussi un des éléments que je voulais vous parler. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo la vague low cost. On est en train de voir quelque chose qui arrive dans les prochains mois, c'est la vague low cost. Je vais quand même finir sur ces questions-là. Je suis désolé, j'arrive pas à lire toutes les questions que vous me posez, il y en a beaucoup. Transavia, effectivement, ils font beaucoup de bonnes choses sur la dimension écologique. Statern, je ne répondrai pas à cette question. En quoi consistent les accords Corsia pour marchands? Alors, les accords Corsia, c'est les accords de réduction des émissions de CO2, un engagement de la part du secteur aérien qui, en 2008, a dit « on va améliorer l'efficacité énergétique du secteur aérien de 1,5% par an, puis finalement on a fait 2% par an jusqu'en 2020 ». Donc ça, je parle des accords Corsia. À partir de 2020, on ne dépassera pas les émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on va compenser toute la croissance du secteur par l'amélioration des performances énergétiques, technologiques, les opérations, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on stagne malgré la croissance du trafic. Et ensuite, il y a une baisse nette des émissions de CO2 qui doivent permettre en 2050 d'être à la moitié du niveau des émissions de 2005, malgré la croissance du trafic. Donc pour ça, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, l'optimisation des opérations, l'optimisation des infrastructures, les évolutions technologiques, les carburants alternatifs, éventuellement l'hydrogène, etc., qui doivent permettre d'y arriver. Aujourd'hui, le secteur aérien est le seul secteur qui s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de cette manière-là, donc c'est vraiment une très bonne chose. Le 777X, malheureusement, je pense qu'il a un peu de plomb dans l'aile, de la même manière que l'A380 a été quasiment tué par la crise de 2008. Le 777X a de grandes chances d'avoir de grosses difficultés suite à la crise, parce que plus personne veut de très gros avions, on préfère avoir des avions qui sont plus petits, qui sont plus faciles à remplir et qui sont plus optimaux toute l'année. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais 2 A380, ça coûte à peu près le même prix que 3 A330, sauf que vous êtes 330, c'est plus facile en flexibilité, vous pouvez offrir plus de destinations différentes. Et puis en hiver, quand ça vole pas, vous en mettez un au tapis, les deux autres, vous continuez à voler avec, et puis évidemment, vous les remplissez, vous avez 80% de remplissage, l'avion est rentable. Donc si vous avez que 2 A380, et ben forcément, vous êtes obligé de garder les deux, mais ils ont un remplissage de 60%, et ça fait des avions sur lesquels on perd de l'argent. C'est pour ça que les gros avions aujourd'hui ont plutôt du plomb dans l'aile, et on voit un trafic aérien et une organisation du trafic qui se réorganise en ne passant plus par les hubs. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait l'obligation de faire Marseille-Paris pour aller à New York. Il n'y avait pas de vol direct New York, on a essayé de le faire pour Lyon, etc. C'est pas vraiment un super succès. Il y a quelques vols, évidemment, mais pas aussi remplis que ce qu'on pourrait le souhaiter. Et demain, on a la 321 XLR qui permettra de faire des vols de 10-11 heures directement avec des avions de 220-250 sièges. Donc on pourra avoir des vols qui sont rentables depuis les grandes capitales régionales. Ça permettra d'éviter de passer par le hub. Et vous savez que éviter de faire un atterrissage, on peut réduire quasiment d'un tiers les émissions de CO2 sur un trajet. Donc le fait de ne plus avoir besoin de faire d'escale, faire des vols directs, c'est très très efficace.
Vous connaissez le chiffre que j'avais partagé. Quand un avion, quand on fait par exemple un Paris-Bangkok en direct, c'est autour de 600 kg de CO2. Si on fait une escale à Dubaï, on est à 900 kg de CO2. Donc on a un gros avantage à essayer de faire des vols directs, sans escale. Et le trafic aérien de demain, évidemment, permettra de faire ça. Après, il y a d'autres choses qui permettent d'optimiser le trafic. C'est le passage à l'électrique. Et l'aviation électrique, c'est quelque chose, c'est pas pour 2050. C'est tout de suite. Dès cette année, 2021, vous avez au Canada une compagnie aérienne qui s'appelle Harbour Air, et je vais parler des drones taxis également pour Statern. Vous avez Harbour Air, qui est une compagnie aérienne canadienne qui fait 300 vols par jour, qui est en train de modifier tous ses anciens avions, qui s'appellent des DHC-2, des DHC-6, des Twin Otter, des hydravions, et qui va faire des vols électriques dès cette année au Canada, 300 vols par jour. Alors peut-être qu'ils en feront un peu moins avec le coronavirus, mais ils avaient déjà commencé à produire cette évolution, et les avions électriques sont disponibles tout de suite. Ça coûte très peu cher, on réduit de 60% les coûts opérationnels, parce que le carburant évidemment il coûte rien, c'est de l'électricité comparé au carburant, au pétrole, ça coûte beaucoup moins. Et puis vous avez une maintenance qui est beaucoup plus simple. Donc passer à l'électrique, c'est faisable dès maintenant pour des petits avions qu'on appelle des commuteurs, donc des avions de moins de 20 sièges. Vous savez que vous avez les commuteurs jusqu'à 20 sièges, vous avez les aviations régionales jusqu'à 70-80 sièges, puis au-dessus les moyens courriers, etc. Donc les commuteurs électriques, la révolution elle se fait tout de suite. On rétrofite des anciens avions, puis ensuite on fait des avions électriques comme le Volta Aero de Cassio en France, ou alors les autres appareils, vous avez le Alice Aviation, vous en avez plein qui sont en train d'être développés partout dans le monde, mais de l'aviation électrique d'ici 2025 jusqu'à 20 sièges. Entre 2025 et 2030, on devrait espérer atteindre 70 sièges d'après certaines projections. Et vous avez des projets très ambitieux, comme par exemple, vous regardez Wright Electric. Dès 2032, s'ils arrivent à faire leur rupture technologique, et là, ils sont soutenus par l'ARPA-E, donc l'Agence de recherche et de rupture technologique américaine, eux, ils veulent faire un avion de 180 sièges, 100% électrique avec EasyJet. Vous pouvez regarder les photos, Wright Electric, dès 2032. Et là, ça permettrait de faire des vols, le Paris-Nice, le Paris-Toulouse, le Paris-Londres, tout ça en 100% électrique. Donc là, il n'y a plus de question de concurrence avec le train. Le train, il faut des infrastructures de dingue, puis c'est électrique. L'avion, c'est directement électrique, ça n'émet pas de CO2. Donc de ce côté-là, il vaut mieux, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, mais peut-être que ça vaut le coup que j'en refasse une autre. Il vaut mieux arrêter de construire des nouvelles lignes à grande vitesse parce qu'on ne rentre plus dans nos frais. Les émissions de CO2 qui sont nécessaires pour construire une ligne à grande vitesse, elles ne sont plus compensées. Vous avez une étude de la Commission européenne qui a été publiée il y a très peu de temps, dans laquelle il montrait qu'il fallait espérer une compensation carbone de la nouvelle ligne grande vitesse Lyon-Turin en 2055 au mieux, ou alors peut-être plutôt en 2080. Mais émettre du CO2 maintenant en disant que peut-être en 2080 ça va être compensé, il y a une certitude, c'est qu'en 2080 les avions ils vont être électriques ou ils seront avec des carburants qui seront totalement décarbonés, comme par exemple de l'hydrogène propre. Donc aujourd'hui il faut absolument arrêter de construire des nouvelles lignes à grande vitesse, c'est anti-écologique, faut surtout pas le faire. L'avenir du métier de pilote de ligne pour le développement de l'intelligence artificielle. Alors, Wordus, il y a certains avions, évidemment, sur lesquels on peut commencer à avoir des opérations qui sont simplifiées, et notamment du pilotage avec un seul pilote quand on est déjà en vol de croisière. C'est le cas de l'A350, sur lequel on fait des travaux pour pouvoir éviter d'avoir trois pilotes, mais c'était surtout lié à une pénurie de pilotes. Donc, avoir trois pilotes quand on fait un vol de plus de 10 heures, c'est par exemple réglementaire. Mais en fait, en vol de croisière, pour être honnête, il se passe un petit peu rien. Enfin, il se passe pas grand-chose. Il y a du travail, les pilotes vérifient toutes les demi-heures, ils ont des checklists périodiques à réaliser. Mais en fait, on pourrait imaginer qu'un pilote aille dormir pendant 2-3 heures, et puis l'autre aille dormir pendant 2-3 heures, puis comme ça, ils sont tous les deux présents quand la charge de travail est la plus élevée, c'est-à-dire au décollage et à l'atterrissage. Mais par contre, entre les deux, on pourrait imaginer qu'il n'y ait qu'un seul pilote. Donc avoir des avions avec moins de pilotes à bord, c'est des projets qui sont en cours, des études très importantes. Et c'est probablement quelque chose qui va arriver. Après, pour les gros avions, le pilote a une telle importance en termes de sécurité aérienne, c'est une chaîne de sécurité, l'avion contrôle le pilote contrôle son avion, et ils savent chacun rattraper les erreurs de l'autre. L'Airbus A320 refuse que le pilote fasse des erreurs, le pilote peut reprendre en main si son avion, si l'ordinateur de bord fait quelque chose de mal. Donc il y a vraiment une chaîne de sécurité aérienne. Par contre, imaginez qu'on va pouvoir se passer du pilote sur ces gros avions. Il faut quand même attendre très longtemps pour imaginer ça. Il va falloir des certifications très compliquées. Mais surtout, le coût d'un pilote, il est certes élevé,
Mais un pilote divisé par 200 passagers, c'est pas grand-chose. Un pilote divisé par 300 passagers, c'est encore moins. Et donc c'est pour ça que la petite aviation, avec deux pilotes, quatre pilotes, les drones taxis, les commuteurs électriques, tous ces appareils de moins de 10 sièges, là par contre, avoir un système qui soit totalement autonome, c'est envisageable à relativement court terme. Court terme, 10-15 ans quand même. En tout cas avec les normes européennes de sécurité américaines, européennes, peut-être qu'en Chine ils feront ça avant, avec plusieurs étapes. D'abord on aura des systèmes, je vais parler des drones taxis, qui vont être télépilotés. C'est-à-dire, on estime qu'en 2026-2028, il faudra à peu près 60 000 pilotes professionnels de drones pour être dans le drone taxi. Vous voyez les projets qui sont par exemple en œuvre avec la RATP, avec l'aéroport de Paris et la région Île-de-France pour rallier l'aéroport de Paris à Disneyland pendant les Jeux Olympiques de 2024. Donc ces systèmes-là qui vont être opérationnels dès l'année prochaine en Indonésie et à Dubaï, pardon, à Singapour et à Dubaï. En 2023, ce sera Los Angeles, San Francisco, Sydney, enfin pas mal de villes, et Paris en 2024. Là, il faudra des pilotes. Après ces 60 000 pilotes vers 2028, il y aura certainement une possibilité d'avoir des pilotes, des avions ou des drones télépilotés. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans un central et qui va être capable de gérer toute une flotte de ces drones taxis d'une manière un petit peu opérationnelle. Au-delà de 2030, les systèmes qui sont produits seront certainement avec une autonomie totale. Donc là, peut-être avec de l'intelligence artificielle, les systèmes de plus en plus performants. Ça donne une révolution également pour tout ce qui est trafic aérien. Et pour la gestion du trafic aérien intelligent, on est plutôt autour de 2035. Donc le projet César 3, c'est un projet de modernisation du trafic aérien. On n'est pas sur des échéances qui sont très très brèves, il y a une amélioration évidemment qui est attendue du trafic aérien, comme j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi la capacité de gérer l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir du trafic qui se fasse de manière un petit peu autonome. Au début ce sera entre des points A et des points B, donc relativement simple, mais au-delà de 2035 on devrait réellement arriver à ce qu'on appelle l'Urban Air Mobility pour les drones taxis, et là vous aurez un drone qui va se poser sur le toit de la défense, qui va faire des trajets qui seront vraiment à la demande, mais c'est pas vraiment pour tout de suite. Et il y a certaines zones dans lesquelles il y a plus de liberté, parce que la sécurité aérienne n'est pas exactement la même, et on pourrait certainement aller un petit peu plus vite dans cette mise en œuvre de drones non pilotés, sans pilote. Mais la disparition des pilotes pour les gros avions de ligne, même les avions qu'on développe aujourd'hui pour 2035, sont avec des pilotes. Peut-être que pour 2050, on imaginera un système sans pilote, mais c'est vraiment très lointain. Mais ça veut dire que les systèmes qu'on va livrer jusqu'en 2050 sont encore avec des pilotes, et la durée de vie d'un appareil, elle est au moins de 20 ans, donc jusqu'en 2070, il devrait y avoir des pilotes sur les gros avions de ligne, certainement encore derrière. J'ai pas vraiment de doute, ceux qui sont encore en train de se poser des questions aujourd'hui, sachez que dans les 50 prochaines années, il y aura toujours des pilotes dans les avions de ligne, donc ça, vous pouvez continuer à rentrer dans les écoles, même si évidemment il y a une saturation tout de suite. J'ai fait un débat avec le directeur de l'école Aston Fly justement sur est-ce que ça vaut le coup de devenir pilote aujourd'hui. Lui il disait ça vaut le coup d'essayer parce qu'il y aura toujours des besoins, mais la réalité c'est quand même que sur les prochaines années, en tout cas en Europe, on est très très loin d'avoir une pénurie de pilotes. La pénurie elle sera de nouveau là en 2026-2028, mais là tout de suite je pense pas que ce soit judicieux de rentrer dans une école de pilotage. En tout cas, sur les écoles rapides, on peut commencer à faire des formations. Vous savez qu'on peut faire en alternance, en cours du soir, on peut commencer à passer certains modules. Ça permet de prendre son temps et puis d'accélérer éventuellement le jour où on voit qu'il y a une reprise. Mais dépenser 100 000 euros aujourd'hui pour entrer dans une école de pilotage pour sortir en 2023, en Europe, ça me paraît très très ambitieux. Par contre, soyons clairs, être pilote, rentrer dans le secteur 1, les techniciens, c'est un métier d'avenir. Il y aura du boulot. Mais pas pour 2023-2024, plutôt pour 2026-2028, puis ensuite derrière on aura de nouveau les pénuries qu'on avait connues par le passé. Mais n'oubliez pas l'armée recrute, les EOPAN, j'y ai été, il faut que je finisse la vidéo, le montage, les EOPAN, ils vont augmenter le nombre de pilotes dont ils ont besoin, il y a plus besoin de pilotes d'hélico, il y a plus besoin de pilotes de chasse, donc tout ça, ça recrute beaucoup. Regardez aussi ce qui se fait dans les EOPAN et dans l'armée, et dans les EOPN pour l'armée de l'air. Parce que autant peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de travail pour les pilotes de ligne, autant l'armée a vraiment besoin de pilotes en ce moment, donc foncez. Pour l'abandon et ou l'agrandissement de Charles de Gaulle, vous savez que le Terminal 4 pour Jean Neymar, très bon jeu de mots,
Le Terminal 4 a été. Alors, le gouvernement a demandé qu'il soit annulé. En réalité, c'est surtout qu'il n'y en a pas besoin en 2028. Moi, j'avais travaillé sur ce projet, j'avais été au hackathon sur lequel, avec Aéroport de Paris, le service d'innovation, c'était vachement sympa. Et on était en train de travailler sur le Terminal 4 pour 2028. Sauf qu'aujourd'hui, en Europe, on sera à peine en 2028 revenu au niveau de trafic de 2019. Peut-être 2026-2027, si vous voulez, on peut en discuter, mais en tout cas, le niveau de trafic attendu à la fin de la décennie n'est pas aussi important que ce qu'on attendait. Donc, on n'a pas d'urgence pour construire ce nouveau trafic, ce nouveau terminal. Donc, on peut attendre. Et ça tombe bien parce qu'entre-temps, on a eu une crise dans laquelle les cartes sont redessinées et on voit très bien qu'il y a aussi une évolution de l'architecture des futurs avions. Tel que le terminal 4 avait été dessiné jusqu'à maintenant, il n'y avait pas réellement de prise en compte de l'hydrogène. Or, en 2035, on aura des avions à hydrogène. C'est quand même dommage de faire un terminal en 2028 sur lequel il faudra peut-être faire des travaux pour mettre des pipelines à hydrogène qui sont en dessous. Parce que vous savez qu'à Roissy, vous n'avez pas de camion-citerne. Vous avez les pipelines qui sont enterrés et vous avez simplement un camion qui arrive, qui branche dans le sol, qui branche sur l'aile de l'avion et qui va, comme ça, de cette manière-là, pouvoir remplir les soutes de l'appareil, mais d'une manière très très efficace. Donc là, si on veut avoir un système tout aussi efficace pour l'hydrogène, il faut y penser dès la conception de l'avion, de l'aéroport. Donc l'idée de repousser le terminal 4 de quelques années et pour le faire d'une manière qui soit plus moderne, plus efficace et qui prenne en compte les nouveautés qu'on a eues en 2020, une accélération forte de l'électrification, une accélération forte de l'hydrogène, bah tout ça finalement c'est une très bonne nouvelle. On recule pour mieux sauter, donc clairement le besoin il sera là. Le trafic aérien y va reprendre et donc tu auras besoin, mais peut-être qu'on sortira ce Terminal 4 en 2033, peut-être 2035, mais en tout cas, c'est pas, y a pas de souci, le Terminal 4 il va arriver et au moins il sera directement bien comme il faut pour les futurs avions à hydrogène. Le Boeing 737 MAX, non, pour l'instant, il peut revoler en France dans le sens où l'Union européenne a autorisé techniquement. Et par contre, il n'y a pas encore eu la formation pour les pilotes. Ça n'a pas été validé. Puis techniquement, ils n'ont pas encore recommencé à voler en Europe. Stratégie de Ryanair pour Ben DPS. Alors, Ryanair, de toute façon, c'est les champions du monde. Ils sont arrivés dans la crise, ils étaient très riches. Avant la crise, déjà, ils étaient plutôt avec des niveaux de marge qui étaient entre 15 et 20%, même s'il y avait eu des grèves et un manque de pilotes qui font que Ryanair avait eu des difficultés à une certaine période. Mais quand je parle de difficultés pour Ryanair, c'est-à-dire que leur marge, donc l'efficacité économique de la compagnie, est toujours au-delà de 10%. Le jour où les legacies européennes, Air France, Lufthansa, British Airways, seront à 10%, ils vont sauter au plafond. L'objectif ultime d'Air France, c'est d'atteindre 7%, c'est-à-dire la moitié de Ryanair, voire le tiers de Ryanair il y a quelques années. Donc les compagnies low cost sont très riches. Elles sont arrivées dans la crise, elles avaient quasiment 6 mois de liquidité, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de survivre pendant 6 mois malgré leurs coûts sans aucun vol. À l'opposé, Air France était à 3 mois de liquidité, Lufthansa était à 1 mois et demi de liquidité. C'est parmi les compagnies qui étaient les plus pauvres, j'ai envie de dire, sur ce ratio-là. Donc les compagnies low cost sont arrivées dans la crise très riches, conquérantes, sur une vraie croissance. Elles se sont adaptées parce que c'est des startups, elles se sont adaptées dans des conditions qui n'étaient pas toujours socialement les meilleures, mais en tout cas, il y a eu des accords. Je prends l'exemple de la France dans lequel les pilotes se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de licenciement, mais qu'ils aient baissé les salaires de 20%. C'est génial qu'il y ait ce type d'accord. Il y a les mêmes accords chez Air Caraïbes. Donc, ils se sont organisés. Évidemment, comme ils ont peu de salariés et qu'ils reposent beaucoup sur des compagnies, des sociétés externalisées, bah, quand il n'y en a plus besoin, bah, ça y est, c'est fini. Ces salariés qui viennent de sociétés extérieures, on arrête de payer ces prestations et les frais, ce qui sont des frais récurrents, en fait, disparaissent très vite. Donc Ryanair s'est très bien réorganisée et Ryanair, aujourd'hui, elle a quasiment pas emprunté. Elle est capable de repartir à l'assaut du marché sans augmenter ses tarifs parce qu'elle a encore un petit peu d'argent de côté. L'été prochain, on espère quand même que les choses recommencent à voler normalement. Notamment, ça recommence par voler sur le vol moyen courrier. Et donc Ryanair, les compagnies low cost, EasyJet, Wizz Air, sont sur le segment qui va repartir le plus vite l'été prochain. Elles sont super bien positionnées et il n'y a pas de limite pour le low cost. On est vraiment sur un marché qui est structurellement en croissance parce que les gens, comme moi, il y a quelques années, quand on allait à Toulouse, ben on prenait la compagnie nationale, on prenait Air France. Depuis 2-3 ans, on a commencé à prendre EasyJet et maintenant 80% des vols se font avec EasyJet. Donc il y a vraiment un basculement du modèle
pour les gens qui font des vols de moins d'une heure vers les compagnies low cost. La crise fait que les professionnels, ils étaient en business, on les passe en premium ou de la premium vers l'éco et de l'éco vers la compagnie low cost. Et donc petit à petit, vous avez une low costisation du modèle moyen courrier. Ryanair est la mieux positionnée pour le faire. Elle ouvre des bases à Beauvais. Elle achète des avions. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle essaye de venir à Orly, parce que l'aéroport d'Orly, il va y avoir des créneaux qui vont se libérer. Elle avait déjà fait les demandes qui lui avaient été refusées par le passé. C'était Wizz Air qui était venu. Mais ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, vous voyez Ryanair arriver à Orly. Et c'est une compagnie qui est excessivement bien, particulièrement bien gérée, très efficacement. Il n'y a absolument rien à dire sur leur stratégie. Chapeau bas à Ryanair. S'ils continuent comme ça, évidemment, ils vont cartonner. Je mettrai en replay Qatar ou Emirates. Je n'ai volé qu'avec Emirates, mais je vais probablement voler avec Qatar prochainement. Leur stratégie à Qatar Airways, elle est simplement de s'étendre et de prendre un réseau tout à fait conséquent, notamment en Afrique. Et d'un point de vue logistique, Qatar Airways est la compagnie la plus efficace du monde. C'est-à-dire qu'il y a des escales qui font à peine 1h30 donc à Doha, et vous pouvez aller d'Europe jusqu'en Australie en faisant une escale que d'1h30 au milieu, donc ils sont super forts. Ils ne pouvaient pas le savoir, c'était un pari gagnant, mais ils avaient misé beaucoup de choses sur le fret aérien, et on voit que le fret aérien, la valeur du fret aérien a beaucoup beaucoup augmenté avec cette crise, avec la logistique qui est nécessaire autour du vaccin. Donc Qatar Airways se développe, avait beaucoup mis de moyens sur le fret, ils ont eu raison, ils se développent beaucoup sur l'Afrique, c'est un super succès. Donc bravo Qatar Airways. Emirates est un petit peu plus en difficulté, peut-être qu'ils vont se rapprocher d'Etihad, ça on le verra quand même dans quelques temps. Alors, Jawed Saoudic pour le C919, le chinois. Alors aujourd'hui, on a quand même un avion chinois, le Comac C919, qui n'est pas abouti. On n'a pas réellement eu de test, on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est un assemblage de pièces qui viennent quand même des autres avions. Ils achètent des moteurs chez Safran, ils achètent même les sièges viennent d'un producteur français, les sièges les plus légers possibles. Aujourd'hui, les avions précédents, les Chinois n'avaient même pas essayé de les certifier en Europe parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la fiabilité. Le C919, a priori, il ne sera même pas capable de couvrir les besoins du marché national chinois parce qu'il y a des besoins qui sont absolument gigantesques. Donc, ce n'est pas un avion qui fait peur réellement à Airbus et Boeing parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en concurrence directe avec cet avion. Enfin, ils vont être en concurrence directe, mais disons que les Chinois ne vont pas chercher trop à aller à l'export, sauf peut-être dans leur zone diplomatiques proches ou dans certains pays africains dans lesquels ils sont relativement bien implantés, mais en réalité il n'y a pas de concurrence aussi forte que ce qu'on pourrait le voir sur la génération suivante. Donc la génération suivante, c'est au-delà de 2030, là Airbus et Boeing auront peut-être des raisons d'avoir peur. Après il y a aussi un accélérateur potentiel, c'est si Comac se rapproche d'Embraer. Vous savez qu'il y avait Boeing et Embraer qui devaient se rapprocher, de la même manière que Airbus a repris Bombardier au Canada et a fait l'Airbus A220 qui est un grand succès. Boeing devait se rapprocher d'Embraer pour faire un avion sur cette gamme également, sauf qu'avec les difficultés qu'avait rencontré Boeing avec le MAX et ensuite la crise, Boeing a renoncé à se rapprocher d'Embraer. Du coup, Embraer est une pépite technologique. Vous savez qu'ils avaient eu le soutien de Dassault, de Thales à l'époque, du transfert de technologies importantes depuis la France, notamment pour faire des fibres de carbone. Ils étaient très en avance à l'époque. Ils n'ont pas eu de succès commercial. Par contre, ils ont une capacité technologique qui est super intéressante. Et aujourd'hui, Boeing, certes, n'a pas besoin de racheter Embraer. Par contre, Embraer est libre pour se faire racheter par les Chinois. Et il y a une crainte, c'est que en fait, il aurait fallu racheter Embraer pour se protéger technologiquement d'une accélération de la récupération des Chinois sur toutes ces technos. Donc la crainte, c'est est-ce que les Chinois vont acheter Embraer pour gagner des technologies plus rapidement et rentrer en concurrence plus frontale avec Airbus et Boeing? Ça, on le verra très prochainement, mais c'est un petit peu compliqué. Air France dit définitivement adieu à ses A380. Alors là, faut être clair, Miro et tous les autres, les quadri-réacteurs, vraiment, c'est des appareils qui sont géniaux, qui sont beaux, qu'on aime admirer, le Boeing 747, la 380, la 340. Malheureusement, ils sont trop chers à opérer. Ces avions, on n'a plus besoin d'avoir des avions si gros. La maintenance est plus chère parce que vous savez que quasiment un tiers du prix de la maintenance totale, enfin entre un tiers et la moitié du prix de la maintenance d'un avion se fait avec les moteurs. Et puis malheureusement, quand vous avez 4 moteurs, forcément le prix est encore plus élevé. Donc les quadri-réacteurs sont en train de disparaître.
Par contre, chez Emirates, dans les compagnies qui en ont plus d'une centaine, ils font des économies d'échelle et puis ils ont assis aussi leur image de marque sur ce confort, parce que c'est un avion qui est très apprécié. Mais donc la 380, il va disparaître des flottes européennes et d'une manière générale des flottes qui avaient moins de 10-15 avions. Et il va continuer, j'espère, chez Singapore Airlines et chez d'autres compagnies. Voilà, le petit Singapore Airlines, la 380. Mais notamment Emirates va continuer à en avoir, même si c'est un petit peu compliqué. Alors, on me repose la question sur Ryanair. Par contre, la dimension humaine, sociale chez Ryanair, les pilotes, jusqu'à maintenant, étaient plus ou moins forcés d'être en indépendant. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont passés en salariés, et surtout en France, évidemment, il n'y a pas réellement le choix. Ils ont normalisé leur situation. Ça reste des situations où, évidemment, quand on paye du low cost, on sait très bien que les salaires ne sont pas aussi élevés que quand on paye une legacy. Maintenant, il n'y a plus de honte à voler avec Ryanair. Moi, je le fais régulièrement, ça ne pose pas de problème éthique. Il y a de la place pour tout le monde, il faut simplement que les deux coexistent. Il faut que les règles du jeu soient claires, c'est-à-dire qu'il faut que les impôts soient quand même payés en France si on vole en France. Il faut arrêter aussi d'avoir les aides, notamment quand ils vont chercher des aides sur les aéroports régionaux pour continuer à venir. Ça, c'est pas normal, il faut pas que les compagnies aériennes touchent de l'argent, des subventions pour pouvoir venir. Maintenant, c'est quelque chose qui est totalement peanuts par rapport à leurs revenus, à leur efficacité. Ryanair vend des billets à 38-39 euros, c'est la moyenne, et ensuite il y a 18 euros de frais ancillaires, c'est-à-dire quand vous achetez un billet à 38 euros chez Ryanair, en réalité vous allez louer une voiture, prendre un hôtel, acheter de la nourriture à bord, payer un billet, payer des bagages de soute, et c'est sur ça que la compagnie fait de l'argent. Ryanair perdrait de l'argent sur le prix de ses billets, mais elle gagne beaucoup d'argent grâce aux frais ancillaires qui sont à côté, donc super sur le modèle. EasyJet, c'est une super compagnie, elle est sur un marché intermédiaire, je réponds à Romain, elle est sur le middle cost, c'est-à-dire que c'est pas d'ultra low cost comme Ryanair ou Wizz Air, elle est sur le milieu de gamme, en train d'essayer d'attaquer aussi Air France sur, sur tout ce qui est autour du business, notamment les gens comme moi, on voyage avec EasyJet parce que c'est très pratique. Je ne savais même pas qu'il y avait une carte de fidélité, mais à force de faire des vols, EasyJet par exemple maintenant m'a envoyé une carte en disant voilà, si vous faites des vols chez nous et si vous trouvez quelque chose de moins cher ailleurs, on vous remboursera la différence, donc cherchez même pas ailleurs, achetez directement chez nous, vous gagnerez du temps. Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont très bons quoi, EasyJet, moi je vole avec eux régulièrement également, et c'est une bonne compagnie aérienne. L'avenir pour les aéroports de province, Ben DPS, très compliqué puisqu'on a quand même 200 aéroports en Union Européenne qui sont à deux doigts de la faillite. Donc vous avez, par exemple en Allemagne, vous avez un plan d'aide de plusieurs centaines de millions d'euros pour sauver les aéroports. Aujourd'hui, c'est quand même pas gagné parce qu'en France, on a les compagnies qui ont eu des prêts, mais les aéroports, c'est pas la même chose. Et objectivement, on a beaucoup d'aéroports en France. Est-ce qu'on a besoin de plusieurs aéroports les uns à côté des autres? Je donne toujours l'exemple de l'aéroport de Quimper. À Quimper, vous êtes à moins de 3 quarts d'heure de l'aéroport de Brest ou de l'aéroport de Lorient. L'aéroport de Lorient est des militaires, donc de toute façon, il va toujours exister, autant l'utiliser, puisque les infrastructures sont payées par les militaires. L'aéroport de Brest, c'est un très grand aéroport. Je pense pas que Quimper ait besoin d'être désenclavé, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de lignes en délégation de services publics, donc il est peut-être temps aussi de rationaliser le nombre d'aéroports qu'on a. Par contre, on n'a peut-être pas besoin de 7 aéroports dans la région entre Toulouse et Bordeaux. Peut-être que 2-3 seraient plus intéressants. Et il y a des aéroports régionaux comme Brive-la-Gaillarde qui ont toute leur légitimité parce qu'ils sont isolés, parce que là, il y a un besoin. Et il y aura un vrai renouveau pour les aéroports régionaux grâce aux commuters. Ces avions de moins de 20 sièges électriques super efficaces qui ont un petit peu disparu avec les low-cost en particulier, mais qui demain permettront de faire des vols entre Brive-la-Gaillarde et Bordeaux en direct sans passer par Paris, avec des avions de 15 à 20 sièges super efficaces électrique, et ça c'est vraiment le renouveau pour l'aviation de petite taille et pour l'aviation régionale pour éviter de galérer à faire des vols avec escale à Paris. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui je crois beaucoup en l'avenir et au renouveau pour l'aviation locale de petite taille et pour les aéroports régionaux, ça va être très bon, surtout avec les drones taxis et tout ce qui arrive derrière. Transavia ou Ryanair, alors j'ai beaucoup d'amis dans les deux, mais quand même Transavia, parce qu'ils m'ouvrent leurs portes plus facilement. Ryanair, j'ai demandé plusieurs fois de pouvoir aller les voir pour faire des vidéos avec eux, malheureusement c'est toujours pas réussi. A330 Neo pour Air France, non, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont partis sur de l'A350. Trip Report Channel, je te suis sur Twitter aussi.
La 330 Neo, c'est un super appareil évidemment, mais quand on est parti sur la 350, autant faire une flotte en A350, le 900, le 1000, on fait vraiment une flotte avec le moins de types d'appareils possible. Il faut essayer de rationaliser les marques. Donc là, on le fait, on enlève June, on se concentre sur KLM, Air France et Transavia. On se concentre aussi réduire le nombre de types d'avions différents. Les A330, quand ils partiront, si on a une flotte A350, et d'ailleurs même les Boeing 787, on pourrait imaginer qu'ils partent tous chez KLM et de faire une flotte chez Air France tout autour de l'A350 et de l'A220, ça pourrait faire un truc super opérationnel, super optimal, tout comme Norwegian avait des 737 MAX et des Boeing 787. C'est optimal d'avoir une flotte avec le moins de types d'avions différents, parce que moins de maintenance différente, moins de spécialistes, moins de formation pour les pilotes, et puis on fait des achats en plus grand nombre, et donc on fait des économies d'échelle également, même à l'achat des appareils. Pourra-t-on voir les low cost sur les longs courriers avec la 320 Neo XLR? Oui, Nolan, c'est le but de la 321 XLR. Vous avez vu le test qui a été fait entre les Maldives et Toulouse. 11 heures de vol sur un avion monocouloir, donc 220-250 sièges. Le but, c'est justement ça, de pouvoir être rentable depuis les capitales régionales avec un avion qui ne fasse que, sur lequel on pourrait vendre par exemple 200 sièges. Quand XL Airways avait essayé de faire ça, par exemple au départ de Marseille, de mémoire vers la Martinique, ça n'avait pas été un succès parce qu'on n'avait pas à remplir un avion en vendant 300 sièges au départ de Marseille. Donc la 321 XLR est la solution pour pouvoir être rentable sur des aéroports régionaux pour faire des vols directs. J'ai pas fait de flight simulator BINVAC, malheureusement, j'ai pas le temps sur ça, j'aimerais bien peut-être faire quelque chose, mais malheureusement non. Est-ce qu'il y a un trou entre la 350 et la 320 et la 220? A priori, il y a la 330 qui est entre les deux, et puis on peut rendre des gros A321 et la 320 XLR, on est quand même sur le pas très loin de la 350, donc a priori les petits A350 et les gros A321, il n'y a pas beaucoup de gamme entre les deux, mais il y a quand même la 330 qui se trouve au milieu. Vous êtes super nombreux, je m'attendais pas. En fait, c'était un test technique au début quand je me suis connecté. Southwest en A220, Southwest, s'ils sont partis avec les Boeing, ils vont rester avec les Boeing. Il n'y a pas de raison d'avoir une double flotte. Il faut vraiment avoir beaucoup d'avions pour que ça vaille le coup. Ryanair fait planer le doute d'acheter des avions de différents types. Et Southwest aussi, mais c'est aussi pour faire baisser le prix. Si on dit, ok, je suis engagé avec Boeing jusqu'à la fin des temps, vous inquiétez pas, je vais toujours acheter des Boeing. Évidemment, Boeing fait pas beaucoup d'efforts pour vous faire des tarifs. Mais quand on a 300, 400, 500 avions, on dit, oh, je pourrais peut-être acheter 100 Airbus. Alors là, on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Tunisair? Tunisair, ils ont une nouvelle directrice, on lui souhaite beaucoup de courage. Elle est partie avec une task force de gens. Ça fait un peu rêver. Je sais pas à quel point ils vont l'aider, à quel point ils étaient impliqués dans le marché tunisien. En tout cas, moi, Tunisair, je leur souhaite beaucoup de succès, tout comme Nouvel Air et tout comme tous les copains d'Afrique du Nord. Mais c'est une compagnie, effectivement, en ce moment, qui a surtout une difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'aide de l'État. Air Algérie et Tunisair et Nouvel Air, évidemment, n'ont pas été aidés par leurs États respectifs, et donc ils survivent, mais je ne sais pas comment ils y arrivent, parce qu'il n'y a quasiment plus de trafic, et le trafic aérien est tellement faible. Il n'y a que la Royal Air Maroc qui a été aidée par son gouvernement parce qu'effectivement on a un besoin criant dans ces pays-là, et comme partout d'ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi des freins politiques en Tunisie qui font que le pays ne peut pas réellement être aidé les compagnies ne pourraient pas être aidées autant qu'elles le devraient. Malheureusement, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, le positionnement géographique idéal entre l'Afrique et l'Europe, ils étaient en train de partir pour faire du vol long courrier. Ils ont toujours leur projet de recevoir des A320, enfin des avions, des Néo. Voilà, on espère que ça va aller jusqu'au bout. Timéo, est-ce qu'on pourra encore voler sur A380 dans 2 ou 3 ans? Je vais même te dire, jusqu'en 2035, chez Emirates, tu pourras toujours voler sur A380. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Hop existera toujours, ou le TGV a remplacé cette compagnie. Alors, Hop va disparaître, à mon avis, en forme de marque. Par contre, à terme, hein, j'entends, parce que pour l'instant elle existe encore, c'est Transavia qui va reprendre des lignes intérieures, donc avec l'efficacité d'une compagnie low cost, avec des avions qui sont peut-être un petit peu gros sur certaines lignes, on va voir comment ils vont se débrouiller, et effectivement il y a une obligation de la part d'Air France d'abandonner certaines lignes, et de toutes les compagnies aériennes d'ailleurs. Plus aucune ligne ne pourra être assurée quand vous avez le train qui est réalisable du centre-ville au centre-ville en moins de 2h30. J'ai fait une vidéo sur ce point-là, je trouve ça complètement idiot. Moi j'habite proche d'Orly,
quand je vais à Bordeaux, je travaille sur l'aéroport de Bordeaux. Faire un trajet plus long, plus cher, je vois pas beaucoup l'intérêt. Et surtout qu'il y a les trajets qui vont continuer à être réalisés pour pouvoir assurer la connexion à Roissy, mais avec un rythme plus faible qui fait perdre en compétitivité Air France et qui fait perdre l'intérêt du hub pour Air France. Donc là, vraiment, le gouvernement a tout faux sur ce point-là, mais bon, ça, on va pas revenir dessus. Bilal, entre le 787 et la 350, moi je préfère la 350, déjà esthétiquement, mais c'est un avion à mon avis qui est vraiment le succès des 10 dernières années, c'est la 350. Et un avion, j'ai fait un beau tournage d'ailleurs avec Singapore Airlines, faut que je fasse le montage. Ce que j'ai fait avec Japan Airlines au pied de l'avion, j'ai fait la même chose avec la 350 de Singapore Airlines, donc là, laissez-moi le temps de faire le montage et ce sera chouette. Profitez, est-ce que j'ai déjà été à Montréal? J'allais tous les ans à Montréal. J'ai parlé au Moving On Summit, le salon de la mobilité durable. De mémoire, c'était en 2019, la dernière fois que j'y suis venu. Et j'ai notamment parlé de comment l'aviation avait amélioré ses performances énergétiques et comment les autres secteurs pourraient s'inspirer de l'aviation. En particulier, il y avait des gens de Google dans la salle. Je leur avais dit, regardez les avions. Quand l'avion qui est devant il a des turbulences, il annonce à l'avion derrière qu'il y a des turbulences, donc l'avion qui est derrière va s'adapter, monter, changer d'altitude, changer de vitesse pour réduire ses émissions de CO2. Et pourquoi est-ce que Uber, enfin pourquoi est-ce que Waze, pourquoi est-ce que Google Maps ne dit pas ça? Il y a un embouteillage devant nous, on roule à 130 km/h jusqu'à un embouteillage, ça sert à quoi? Autant rouler à 90 km/h, on va être plus efficace, consommer moins de carburant. Alors si dans quelques années vous avez Google qui vous dit tiens roule à 90 ça sert à rien de rouler si vite, t'as un embouteillage, peut-être que ça viendra de moi avec une allocation au Canada. Mais donc je travaille beaucoup avec le Canada en ce moment, notamment avec Aviation Next et The Wet In Management, peut-être que j'en parlerai une prochaine fois, mais ce serait pas mal. Wassine, est-ce qu'il y aura une reprise en juillet? Je l'espère, et en tout cas vous avez peut-être vu, mais les projections de la Commission européenne sur la vaccination en Europe permettraient d'être vaccinés, d'avoir une protection vaccinale entre les gens qui ont été malades et les gens qui ont reçu le vaccin au troisième trimestre, c'est-à-dire au début du troisième trimestre, c'est-à-dire septembre-octobre. Donc si on a 60% de la population qui ne tombe plus malade en septembre-octobre, on peut espérer qu'il n'y ait quasiment plus de virus un petit peu avant. Peut-être que le mois d'août, on pourra voler. En tout cas, moi, j'ai déjà acheté mes billets d'avion. D'ailleurs, je pars prochainement aussi, je vole de toute façon toute l'année. Mais du coup, je pense que pour cet été, vu le prix des billets, ça vaut vraiment le coup d'acheter son billet, surtout qu'il y a une flexibilité totale sur les billets, on peut le changer sans aucun problème. C'est vraiment le moment de voyager pour pas cher. Et puis après, vous libérez un petit peu, vous avancez un petit peu votre billet s'il faut le décaler, mais je pense vraiment que ça vaut le coup d'acheter des billets en ce moment. Est-ce que le MC-21 est un danger pour Boeing et Airbus? La réponse, là pour le coup, elle est facile, elle est simple. Les Russes font des avions qui sont techniquement, évidemment, maintenant qui sont fiables. Quoi qu'on a vu avec le Sukhoi SSJ-100 qu'il avait pris la foudre et s'était crashé derrière, on n'a pas encore vraiment de conclusion pourquoi est-ce que la foudre a fait péter un avion, c'est pas normal. Mais par contre, ces avions russes sont peut-être fiables, c'est des équipementiers européens qui fournissent quasiment tout. Mais ils ont des coûts opérationnels qui sont très élevés, la maintenance coûte cher, il y a plein de choses qui coûtent cher. Et malheureusement pour les Russes, ils n'arrivent pas à faire baisser leurs coûts opérationnels. Donc la concurrence, autant Comac, oui, parce qu'ils vont pouvoir en acheter 3 000 d'un coup, se lancer sur un marché, autant les Russes, bah, peut-être qu'ils vont vendre 2-3 avions à l'Arménie, etc. Mais ils ne vont pas avoir une masse d'avions qui permet d'être, voilà, d'avoir une économie d'échelle et de vendre ces avions en grand nombre. En tout cas, ils ne seront pas en concurrence en volume avec Airbus et Boeing, pas tout de suite. Est-ce que je préfère la SFA à Tunis ici? Ben, en Tunisie, j'ai vu la SFA, c'était un petit peu par hasard, parce que je travaillais dans ce groupe voilà, qui est assez large. SFA, moi, super école, il coûte pas cher en étant capable de donner un agrément européen. Les conditions de vol tunisiennes sont géniales. Moi, j'ai fait le petit vol avec eux, si vous ne l'avez pas vu, c'est une vidéo où j'avais pris beaucoup de plaisir. Donc la SFA en Tunisie, bonne école, bon matériel, et puis des tarifs low cost par rapport à l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Est-ce que je préfère Airbus et Boeing? Les deux sont complémentaires. Boeing a permis à l'aviation d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Ils ont lancé. Mais par contre, Boeing était en panne d'innovation. Et heureusement qu'Airbus est venu les chatouiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même Airbus qui tire l'innovation. Airbus a fait des choix techniques qui étaient très très pertinents sur tous leurs avions. Et Boeing a fait des ruptures technologiques avec le 787. Avec une électrification qui était un petit peu plus forte.
Voilà, c'était des paris. Les deux sont géniaux, les deux sont complémentaires et il faut absolument qu'il y ait deux ou trois constructeurs mondiaux, ça pose aucun problème. Pourquoi est-ce qu'Air France n'a pas pris des 320 NEO au lieu des A220 NEO pour Quentin, a priori, il y a des coûts opérationnels pour l'A220 qui font économiser à peu près 1 million d'euros par an par la consommation de carburant et la maintenance plus simple. L'A220 est un avion plus moderne que l'A320, il faut être clair sur ça. Et donc passer sur l'A220, qui est, il est un petit peu petit par rapport au 321 par exemple, mais c'est quand même un super avion. Et donc a priori, pour assurer un marché domestique, c'est un avion qui est super optimisé. Donc l'A220 pour Air France, c'est un super choix. Et on verra les résultats opérationnels et les économies dans les prochaines années. Mon avis sur les Cadet Airways. Alors aujourd'hui, tout ce qui se fait autour des Cadets, malheureusement, vous n'attendez pas de retour des formations Cadets, c'est-à-dire les formations intégrées de pilotes payées par les compagnies aériennes avant qu'il y ait de nouveau une pénurie en Europe, c'est-à-dire 2025-2026. Je pense que vraiment, il ne faut pas attendre de retourner dans les Cadets tout de suite, de la même manière qu'il y avait eu une pause pour Air France de mémoire entre 2008 et 2016, c'est-à-dire 8 ans de pause sans Cadets. Ce sera la même chose dans les prochaines années. Il y a très très peu de chances que vous puissiez être pris chez les cadets, et c'était quelque chose qui était assez fréquent parce qu'il y avait vraiment une pénurie. Même des compagnies comme TUI, il y avait des cadets chez TUI, chez Air France, plein de compagnies, donc très compliqué. Est-ce que je prévois de tester l'EasyJet en Neo? Oui, si j'ai l'occasion de voler sur Neo, évidemment j'en ferai une vidéo. Après, moi je prends des vols quand j'ai besoin de voler, donc je fais pas de vol pour faire une vidéo, je profite de mes vols réels pour faire des vidéos. Donc si j'ai l'occasion de voler sur Neo, évidemment je le dirai. J'ai volé sur A320 Neo avec la TAP, très bonne expérience, l'avion est plus silencieux, mais quelqu'un qui s'y connaît pas, il fait pas la distinction entre un Neo, c'est un peu plus silencieux, on a l'impression d'avoir plutôt un aspirateur à l'extérieur de l'avion, donc c'est un bruit quand même relativement plus doux, mais si on n'est pas habitué, je pense que les gens perçoivent pas réellement la grosse différence. L'accélération surtout est beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive en termes de bruit, c'est vraiment sympa. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans une formation de contrôleur aérien? Alors pour l'instant, les contrôleurs aériens se tournent un petit peu les pouces, mais oui, pourquoi pas. De toute façon, des contrôleurs aériens, il en faudra toujours. C'est un métier qui est vieillissant. Il y a une pyramide des âges, comme pour les pilotes, hein, qui est relativement ancienne, donc il y aura des renouvellements qui seront nécessaires. J'ai des copains, Gilles Diars, peut-être que vous le connaissez, avec qui je travaille sur la MH370, qui a fait une super conférence il n'y a pas longtemps, qui est aujourd'hui en train de se transformer, après avoir fait ça dans l'armée, d'être contrôleur aérien. Donc il y a du boulot pour les contrôleurs aériens, on aura a priori un nombre connu. Donc si on rentre dans une école aujourd'hui, on a quasiment la certitude d'avoir un boulot derrière, c'est pas comme les pilotes de ligne. Voilà, maintenant il faut quand même rentrer dans les écoles, c'est pas forcément évident. Oui, le bruit des néos est plus doux, je te confirme, Alexandre. Je croise les droits pour le retour des cadets en 2025, je l'espère pour nous tous. Qu'est-ce que je pense des avions disparus comme le L100, ah bah ouais, le Tristar, le Douglas DC-10, le Mercure surtout. Le Mercure, c'est le Dassault Mercure, c'est un avion qui était génial et c'est le plus grand échec commercial de l'industrie aéronautique française, donc ça vaudrait le coup de faire des vidéos sur ça. C'est des avions qui sont exceptionnels, je ne crois pas avoir eu la chance de voler sur ça. J'ai volé sur Caravelle, mais c'est à peu près tout en truc très vieux que j'ai pu faire, et j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Oui, c'est la mauvaise période pour se mettre à décoller. J'ai déjà parlé du 737 MAX, donc je mettrai en replay cette vidéo, comme ça vous pourrez regarder. Ryanair mise sur l'aéroport de Beauvais. Alors déjà, le fait qu'ils continuent à ouvrir des bases, c'est un grand succès de leur part. Il y a peu de compagnies, à part eux et Wizz Air, qui continuent à aller à l'assaut et qui prennent des parts de marché, et donc qui se positionnent pour le futur. Donc bravo Ryanair encore une fois. Qu'est-ce que je pense de Turkish Airlines? J'ai jamais l'occasion de voler sur Turkish. Peut-être une prochaine fois, bien qu'après j'ai pas forcément de raison d'aller en Turquie a priori, mais pourquoi pas à l'occasion. Quel est le marché potentiel des commuteurs électriques? Donc les commuteurs électriques pour Benoît Saïd, on estime qu'il y a à peu près 10 000 commuteurs qui devraient être vendus, donc des avions de moins de 20 sièges qui ont la particularité de pouvoir être électrifiés très rapidement, parce qu'ils sont déjà électriques dès leur conception, dès maintenant. Donc là, à peu près 10 000 appareils qui seraient livrables d'ici 2035. Gros besoin de pilotes, du coup, parce que c'est des systèmes sur lesquels on a besoin d'un pilote. Des lignes, vous avez des études sur l'Allemagne en particulier, sur lesquelles on montre qu'il n'y a plus besoin de passer par la capitale, et vous avez des centaines de vols par jour qui seraient réalisables en étoile. C'est-à-dire vous faites des vols directs entre Brest et Bordeaux, entre
Strasbourg et Marseille, rentables puisque c'est des avions de 15 à 20 sièges. Donc ça, vraiment, les commutateurs électriques, j'y crois vraiment beaucoup. Microsoft Flight Simulator 2020, j'y ai pas joué, ça a l'air génial. Est-ce que le secteur aérien est assez grand pour pouvoir ouvrir beaucoup de lignes sans passer par Paris? Et c'est pas une question spécifique à Paris pour Jawed Saoudique. À partir du moment où vous avez des avions de plus petite taille, il peut être rentable, des avions de 50 sièges, de 20 sièges, il peut être rentable de faire des vols directs entre Lyon et Bordeaux, entre Lyon et Toulouse, entre Nice et Montpellier. On peut imaginer des lignes de ce type-là avec des avions, mais de plus petite taille. Le gros problème, c'est que pour être rentable, il faut qu'un avion soit rempli à 80% en moyenne sur l'année. Donc quand vous avez des avions qui sont remplis qu'à 30-40% sur l'année parce qu'ils sont trop gros, c'est pas rentable. Donc un Boeing 737-800 de Transavia, il sera pas rentable sur une ligne. Par contre, on pourrait imaginer que ce soit rentable avec un ATR-72 ou les futurs commutateurs électriques. Est-ce que je pense que l'été reviendra pour Geoffroy? Est-ce que le trafic aérien sera plus élevé cet été que l'été dernier? Je le souhaite. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une tendance à l'amélioration. Comme je le disais tout à l'heure, avec la vaccination, peut-être qu'on sera sur un niveau plus élevé. Mais il n'y a pas vraiment de garantie, en tout cas, de ce côté-là. Est-ce que je testerai le 777X quand il sera disponible? Ce sera avec grand plaisir. Je ne sais pas encore avec qui vers l'Europe on pourra le tester. En ce moment, j'ai pas mal de discussions avec des compagnies aériennes pour faire des vols avec eux. Certains vols, je le dirai quand c'est eux qui m'invitent. De toute façon, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Mais je fais principalement des vols dont j'ai besoin. Donc quand je me déplace, et évidemment, si on propose de faire des ferry flights pour ramener des avions, je sais pas, de Toulouse... alors si, j'ai certainement à Toulouse vers la Tunisie qui se fera avec Tunisair, on va voir si ça se fait toujours l'été prochain, ce serait super sympa. Est-ce que le MH370 s'est crashé ou alors il a atterri en cachette quelque part? Je vais me faire harakiri avec cette question. L'avion est tombé dans l'eau, malheureusement on n'arrive pas à déterminer sa position avec une précision suffisante pour le retrouver, mais il y a une certitude absolue, l'avion n'est pas caché dans un bunker chinois, je sais pas où. L'avion est tombé dans l'eau, on a les informations cohérente du satellite, des radars militaires, des radars civils, du téléphone portable et des pièces. Donc on sait que l'avion est tombé dans une zone, malheureusement on est passé certainement à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de la carcasse de l'avion, mais on sait que l'avion est tombé dans l'eau, il n'est pas caché, les gens ne sont pas enterrés quelque part. Donc là, le MH370, je ferai une vidéo au mois de mars sur les causes probables de l'accident. Bien qu'on puisse pas trancher, mais en tout cas sur celle qu'on peut exclure, il n'a pas été abattu par un missile, il n'a pas été abattu par un avion de chasse, il s'est pas perdu au Kazakhstan, il s'est pas posé pour ravitailler. Voilà, donc oubliez toutes ces histoires-là, parce que l'avion, par exemple, s'il avait pris un missile, il aurait arrêté d'émettre des informations, et c'est pas le cas. Mon avis sur les nouveaux Embraer, c'est des super avions. Les Embraer, je les aime beaucoup. Ils coûtent surtout pas cher du tout, mais ils en vendent pas suffisamment pour assurer des pièces de rechange sur plusieurs décennies. Et c'est souvent ça aussi qu'on regarde. Quand il y a peu de gens qui en achètent, l'avion il reste un peu inaccessible et il a une vie opérationnelle qui est courte. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui rend les choses assez difficiles. Pourquoi est-ce qu'on voit plus de réacteurs avec pour Victor, pourquoi est-ce qu'on voit plus d'avions avec les réacteurs sur la queue? C'est une question d'architecture. C'est plus bruyant. Enfin, il y a plein de choses. Mais en gros, on va certainement revoir des avions avec les moteurs sur le dessus du fuselage, notamment avec la technologie qu'on appelle l'open rotor, parce que vous avez des systèmes qui sont tellement gros qu'ils ne passent plus en dessous de l'aile, et donc ils vont revenir sur le dessus, et notamment avec les avions qui seraient en aile delta, avec un gros moteur sur le dessus. Ça va peut-être revenir dans quelques années, mais en tout cas, ce serait la génération qui arriverait autour de 2035. Les amis, je vais quand même aller vous laisser parce qu'il est 20h. Allez, deux dernières questions. Pour ou contre les aéroports low cost? Les aéroports, ils sont low cost. C'est surtout les compagnies aériennes qui l'utilisent qui sont low cost. Après, avoir des terminaux adaptés au low cost, je ne suis pas sûr que ce soit super pertinent. On le voit à Marseille. Ils ont fait un terminal low cost, puis du coup la compagnie Air France dit bah, pourquoi je paye plus cher, moi aussi je veux le terminal low cost. Donc je pense que Roissy est plus pertinent de ne pas avoir de terminal dédié aux compagnies low cost, de faire un terminal global pour tout le monde, parce que le passager, il veut payer son vol moins cher, mais il veut quand même acheter à l'aéroport, et au final les gens qui volent avec des compagnies low cost dépensent pas moins d'argent
en duty free. Donc voilà, à mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir des terminaux low cost dans les aéroports, même si certains aéroports ont fait ce pari. Oh là là, attendez, vous me posez trop de questions à la fois. Là, c'est la dernière en plus, faut que je la choisisse bien. Ta chaîne depuis un an, t'habites en Côte d'Ivoire, félicitations. Je parle pas assez des compagnies africaines. Allez, je vais essayer de faire une vidéo sur les compagnies africaines, je le promets, pour Kylian. Quel est l'avenir de la first class? Alors ça, on va finir avec ça. La first class a un grand avenir. Il y a deux... Vous pouvez arrêter de poser des questions. Il y a deux gammes qui sont super rentables, le low cost et le business. Vous avez quasiment un quart du chiffre d'affaires des compagnies aériennes legacy européennes qui se fait sur les premium business et surtout la first qui est ultra rentable. C'est des marchés de niche qui sont super importants. Et donc évidemment, vous avez un marché où le low cost rapporte vachement, le business et la first rapportent vachement, et puis au milieu, vous avez plus grand chose. Au milieu, ça a une marge de 2, 3, 5% quand on est 7% quand on est généreux. Mais par contre, la first, ça marche très très bien. Vous avez des bons remplissages, ça continue à marcher. Les gens qui peuvent se le permettre en ce moment pour des raisons aussi sanitaires, ils veulent être loin des autres, ils volent en first parce qu'il y a un confort qui est inégalé. Des sportifs de haut niveau, ça leur permet de voler sans avoir besoin de payer autant qu'avec un jet privé. Voilà, donc moi, la first, j'y crois beaucoup et vous verrez que ça va continuer à exister. Je rigole parce que la question de Gauthier, je vais quand même y répondre. Qu'est-ce que tu manges ce soir? Je vais manger du poisson. Parce que la viande, ça émet trop de CO2. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On essaiera de faire ça un petit peu plus régulièrement maintenant que je sais que techniquement, je sais le faire. Je ne bug pas comme la dernière fois. Des petits lives d'une heure plutôt que des gros lives de deux heures, c'est plus gérable pour moi. Je vous dis à tous à très bientôt. C'était un live au hasard, je suis étonné d'avoir atteint 400 personnes sans vous prévenir. Vous êtes toujours au répondant, merci à tous, vous êtes toujours plus nombreux, c'est un truc de dingue. Félicitations aussi pour toutes vos questions, pour tous les commentaires, c'est super constructif, j'adore ce que vous faites. Ceux qui m'écrivent aussi, vous commencez à être quand même très nombreux, donc j'ai du mal à répondre à tout le monde sur Instagram. Vous m'écrivez aussi sur Instagram en privé et également sur Twitter, donc merci à tous. Bonjour à un collègue de CGI, je sais pas qui t'es, Mehdi, mais... Bon. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez, mangez. Avec un peu d'humour, je vous fasse une blague. Vous savez comment on reconnaît un pilote de ligne dans une soirée? Eh ben, il vient vous le dire. Voilà, allez. Bonne soirée, j'espère qu'elle vous a plu, celle-là.